Et salut tout le monde, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour ce 33e et dernier épisode de notre aventure sur Pokémon version cristal. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, j'ai la patate. C'est le cas, j'ai la grosse patate. Je suis en pleine forme et tout content, à la fois triste parce que c'est le dernier épisode, mais content. Tout simplement parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment épique. Voilà, c'est le dernier défi. Le défi ultime de cette génération. Le Mont Argent. Donc, l'endroit où nous sommes laissés la dernière fois. Et donc, on va s'empresser d'aller tout de suite dans cette grotte.
et voir ce qu'il se cache tout au bout. Mais d'abord, je vais vous montrer le petit résultat de mon entraînement. Donc j'ai entraîné mes Pokémon, comme je l'avais dit, donc jusqu'au... dans les niveaux 80 à peu près. Donc Typhlosion niveau 81. Mentally niveau 75. Léviator niveau 77. Farfuré niveau 77. Armure niveau 77. Et d'enfant niveau 73. Alors pourquoi 73, 77, pas tous niveau 80? Tout simplement parce qu'en fait j'ai été regarder comme ça, vite fait, juste le petit... le niveau des Pokémon du dresseur qu'on affrontera. Et parce qu'on affrontera un dresseur tout au bout du mois argent, je pense que ça vous vous en doutez. Et donc c'est exactement ces niveaux là. C'est pour ça que j'ai mis donc Typhlosion niveau 81 qui affrontera son Pokémon le plus fort qui est au niveau 81. Ensuite Metali qui affrontera son Pokémon niveau 75. Voilà, donc chaque Pokémon combattra un Pokémon de l'adversaire. Et donc j'ai mis au même niveau, comme ça il n'y a pas de... j'ai pas d'avantage ou quoi, enfin si, j'aurai l'avantage du type, mais à part ça, voilà, en termes de niveau je n'aurai pas l'avantage. Donc ça sera vraiment le vrai challenge, le dernier défi qui sera un challenge pur. Et aussi, petit truc à vous faire voir, pendant que j'entraînais mes Pokémon, j'ai rencontré un sac de nœuds. Je crois. Et il était shiny. Sauf que, en allant vite, j'ai pas tilté tout de suite et je l'ai tué avant de pouvoir le capturer. Mais le jeu m'a dit entre guillemets, je te donne une deuxième chance et je te donne un autre Pokémon shiny. Et donc lui, je l'ai bien capturé. Et donc regardez ça, un Galoppa shiny. C'est très stylé. Il est tout blanc avec des flammes violet et gris. Ça fait stylé. On dirait un peu un Galoppa des ténèbres ou un truc dans le genre. Ça fait vraiment stylé. Donc bon, à part ça, il sert à rien. Il reste dans le PC, mais c'est très très beau. Voilà. Et donc nous pouvons enfin nous mettre en route vers la fin, tout simplement. On va juste mettre une petite max repousse. Parce que sinon on va être un petit peu la proie de tous ces Pokémon. Donc mon argent, on va lire le petit panneau, voilà, mon argent. Et c'est parti. Alors déjà, j'ai appris Flash à Mentali au lieu de Morsure. Parce que sinon j'aurais pas pu prendre Mentali. Et ça m'embêtait un petit peu. Et en plus j'ai regardé... j'ai encore la Master Ball que j'ai pas utilisée. Donc bon, on verra. Peut-être que je la lancerai sur le Pokémon le plus fort de l'adversaire pour le troll. De toute façon, on en a plus besoin. C'est la fin. Après, c'est fini. Puisque c'est la fin. Non. Là, protéine. On va l'utiliser sur qui? On va monter l'attaque de Farfuré. Ça n'a aucun effet. Sur Armure. Et ça n'a aucun effet. Bon, bah sur Typhlosion. Mais... bon, bah Mentali. Léviator. Bon, bah Donphan. Waouh. Ça sert à rien. Bon, bah tant pis. Je ne peux pas. C'est pas grave. Juste... ouais, voilà. Alors, bon, on va quand même ramasser les objets qu'on voit. On n'est pas non plus, pas non plus. Cœur de sortie, bon, on n'a pas besoin. Là-bas, non, pas d'objet. Oh, c'est bizarre. Voilà, forcément, le rocher là-bas, il y a un objet. En tout cas, j'espère que ce let's play vous a plu. Il sera quand même pas mal long, 33 épisodes, c'est quand même un gros let's play. Muscle plus, waouh, super. C'est quand même un gros let's play.
Je pensais pas que ça aurait été aussi long, mais bon, au final, c'était très sympa. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rejouer à ce jeu. Hop, tu 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 tu. Pourquoi il y a un... Oh non, mais ça, je m'en fous. Bon, on va quand même récupérer l'objet parce que j'ai envie de savoir ce que c'est. Max Elixir, si tu veux. Hop, on va revenir là. Oh non. On va remettre un... Max Repousse, où es-tu? Max Repousse, où es-tu? Tu es là. Merci. Voilà. Hop, je remets mon casque. Il y a mon casque qui se barre. Bon, je me fais troller. Ah ben celle-là, je l'avais pas vu. Oula, ça part un peu dans tous les sens. Où est-ce qu'il faut aller? Genre, on récupère ça. Une hyperbole. On a plus besoin, mais bon, pourquoi pas. Attendez, là, il y a plein d'escaliers. Pourquoi? Ah mais il y a un objet là-bas. Bon, attendez, on va mettre bicyclette, parce que sinon, ça va être un petit peu long. Là-bas, il y a un objet, je veux quand même le récupérer. Si je le vois, je le récupère. Si je l'aurais pas vu, je l'aurais pas fait, mais bon. Là, c'est trop tentant. PP plus. Wow, pourquoi pas. Pour le donner à qui on peut le donner ça. Pup. On va le donner à toi, à Psycho, voilà. Parce que tu es gentil. Hop, là il y a une grotte. Est-ce que c'est là qu'il faut y aller? Non. C'était juste pour un objet. Rappelle Max. Bon, ça peut servir, hein. Au cas où on meurt. Et peut-être qu'on peut mourir parce que là, j'ai mis exactement au même niveau que les Pokémon en face. Donc, j'aurais pas vraiment d'avantage à part l'avantage du type, c'est tout. Donc, ça sera un petit peu tendu. En plus, vu les Pokémon qu'il a, oh, c'est un peu badass. Attendez, là et là, ça part dans tous les sens. Mais attendez, il y a quoi là-bas dans la grotte? Ah, mais je crois qu'on est arrivé en fait. Alors pourquoi il y a... Attendez, c'est bizarre. Il y a trop d'endroits où on peut aller. On va remettre un max repousse. Mais je crois qu'on est arrivé. Là on peut pas aller. Il doit forcément avoir un objet au moins quelque part. Ah, il y a un objet. Et là il y a encore une grotte. Bon, c'est un peu bizarre cette grotte. Hop. Ah tu. C'est quoi que j'ai récupéré? Calcium. Mais non mais sérieux, c'est du troll. Bon, vous savez quoi? Tant pis, on s'en fout. Mais y a quoi là-bas? Ah, y a un objet. Hop. Bon, on visite tout, mais bon, au moins on récupère des petits objets qui pourront être utiles. Pourquoi pas? Je crois que c'est tout, on a fait le tour. Donc c'est bon, on peut aller au bout de la grotte. Et donc là, on arrive à la fin. Attention, 3, 2, 1. On va juste faire le... Ah, coucou! Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, moi aussi? Et donc là, le combat épique s'annonce. Et si vous n'êtes pas trop bête, oui parce que peut-être que vous êtes bête, mais je ne pense pas que vous êtes bête, vous savez qui est ce jeune dresseur. Et si vous ne savez toujours pas, ben je vais vous le dire.
Il s'agit de Red, donc le héros qu'on incarne dans Pokémon Rouge, Bleu et Jaune. Ainsi que les remakes Rouge Feu et Vert-Feuille. Et donc c'est le héros de la première génération qu'on peut affronter, puisque bon, on a affronté Blue, donc forcément, si on a affronté Blue, forcément on pouvait affronter Red. Et donc voilà pourquoi c'est aussi épique de combattre Red, donc le héros d'il y a 3 ans. C'est stylé. Et je regarde comme ça, on se ressemble un petit peu. On se ressemble. Mais bon, on est plus classe, nous. Allez, on va l'affronter. Oh yeah, c'est parti. Avec la musique épique. Et donc Pikachu, ça, c'était prévisible. Allez Pikachu, tu vas t'en prendre lance-flamme dans la face. Je pense pas que je vais lui lancer la Master Ball. Ou alors peut-être sur son deuxième Pokémon. Pourquoi pas. Non, la Master Ball, on va la garder. Mentally. Bah Mentally, on va envoyer donc... qui on va envoyer contre Mentally, j'avais dit. Je m'étais dit qu'on allait envoyer d'enfant. Hop. Alors normalement il a, je crois que c'est dans les remakes, il a un low class. Et là je sais pas pourquoi ils ont mis Mentally. Bon, c'est bizarre. Ça aurait été mieux low class, mais bon, ce n'est pas grave. Oula, par contre, aïe 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 aïe. Ouh, ah, ça fait mal. Ok, il rigole pas lui. Pitché, tue-le. Oh, ouf, on a de la chance. Un Florizarre. Donc on va envoyer notre Farfuret. Son équipe elle est stylée quand même. Elle est stylée. Point glace. Seulement. Oh, ça va faire mal. Point glace de play. Ouf. Coup critique. Ça fait du bien. Bon, bah pour l'instant on gère. Draco feu. Alors là, on va envoyer notre Elevator. Donc forcément, il a les trois starters. Puis son Pikachu. Mentally et son dernier qui sera un autre Pokémon aussi bien. Ah bah, je sais ce que je vais faire. Ça va être risqué par contre, parce que je risque de mourir par derrière, mais je sais ce que je vais faire. Ouh, tu restes bien. Ouïouïouï. Ouïouïouï. Ah, ça va. J'ai eu peur. Allez, cascade. Bim, tu es mort. Ronflex. On va envoyer Mentally. Alors là, je vais faire un truc. Ça va être risqué parce que je risque de mourir par derrière s'il me fait une grosse attaque. Mais pour le troll, Ronflex, j'ai pas réussi à te capturer. J'ai pas réussi à te capturer la dernière fois. Mais alors là, Master Ball. Et elle est déviée. Le dresseur détourne la balle. Voler, c'est mal. Master Ball qui ne sert à rien. On va lui envoyer
psycho. Ah, par contre, il a augmenté sa défense spéciale. Ce n'est pas grave. Oula! Ah, par contre, ça fait mal. Plaquage, plaquage, plaquage. Ça va. Balle ombre. On va baisser sa défense spéciale. Oh non! Oh lolo. Ah! Hop, on va se soigner. Lui, par contre, il est un peu short quand même, son Ronflex, il a beaucoup de PV, beaucoup de défense et il fait quand même assez mal. Donc, avec le petit Mentally qui est tout frêle, un peu chaud. Bon, t'arrêtes de faire plaquage là. Bon, on va l'attaquer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, que de faire. Il fait très mal. Il fait très mal. Bon, on va encore se soigner, forcément. Sinon, on va mourir. Hop. Ah, mais t'arrêtes avec le plaquage, toi. Psycho. Ah, il prend pas beaucoup. Par contre, j'ai peur qu'il fasse repos, mais d'un autre côté, on serait tranquille parce qu'il pourrait pas nous attaquer. Donc on relance un guérison. Et Donphan qui 15 PV. Hop. Ah, mais sérieux, mais t'as pas une autre attaque? Plaquage. Non mais t'es chiant toi. Allez. Que de faire. Oh yeah. On l'a tué. Et donc, son dernier Pokémon, Tortank. Là, on va envoyer Armure. Type vol contre type eau. Quel avantage? Ben, aucun des deux. Ouh, il est stylé, Tortank. J'aime bien. Et ben donc tu vas faire vol. Au moins on est à l'abri. Ouïouïouï. Allez, ça va passer. C'est bon, c'est pas énorme. Ah, lui par contre là, s'il augmente ses dégâts, c'est pas cool. Allez, plus qu'une attaque et il est mort. Mais je crois qu'on va quand même se soigner car... Ouais, c'est risqué. Hein. Non, je préfère me soigner. Parce que si... Si on fait pas assez de dégâts qui attaque par derrière, on est mort. Et j'ai pas envie de mourir. Là, j'ai envie d'un perfect sur lui. Bon, arrête de faire surf. T'as pas une autre attaque, non? Et donc là, on va faire vol. Et si ça fait pas assez de dégâts, on meurt. Allez, prions. Oh, c'est bon. On l'a enfin vaincu. Et donc, il parle pas, forcément. Et donc, voilà. Nous avons terminé le jeu pour la deuxième fois et la dernière fois. C'est... épique, vraiment, vraiment, vraiment épique.
Ah, donc maintenant, on est devenu le maître de la ligue et le maître du jeu, puisque c'était le dresseur le plus fort du jeu, et on l'a battu. Donc maintenant, c'est nous le plus fort. Bon, et bien, j'espère que ce let's play vous aura plu. Franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. 33 épisodes, comme j'ai dit, c'était long, mais le jeu en même temps est assez long. Il y a quand même deux parties dans le jeu, donc après la ligue, il y a eu tout ce qu'on a fait à Kanto. Donc c'est bien, 33 épisodes. Et donc, maintenant, on va se diriger vers un autre let's play, un autre jeu. Un jeu qui n'a rien à voir avec Pokémon. Alors pour le coup, rien à voir. Mais j'espère qu'il vous plaira. Je vais pas donner d'indice, mais j'espère qu'il vous plaira. C'est un jeu qui... Comment dire ? Qui est bien, tout simplement. Voilà, c'est un très bon jeu. Un très bon jeu auquel j'ai joué il y a pas mal de temps. Je crois que c'était il y a 3-4 ans. J'y ai rejoué de temps en temps depuis. Mais là, je vais le refaire en let's play. Et là aussi, je pense que je vais prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous allez prendre du plaisir à le regarder. Bon, j'ai quand même donné un petit indice. Ça fait un petit peu peur. Voilà. Un jeu qui fait un petit peu peur, donc un jeu beaucoup plus mature que Pokémon, c'est certain, mais tout aussi bien. Voilà, voilà. Et donc, le mot de la fin, enfin le mot, la petite phrase, eh bien, portez-vous bien. Non, sans déconner. Eh bien, oui, portez-vous bien. Et donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ce let's play vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vert pour ce dernier épisode, pour cette victoire épique contre Red. Et à laisser aussi un petit commentaire, ça fait plaisir de voir vos réactions. Et donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau let's play. Allez, bye bye tout le monde.